Et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Là, les citoyens ont décidé de reprendre leur destin en main. On va pas se priver de manifester à cause des flics. Moi, je suis gilet jaune au fond de moi. C'est grave ce que j'entends quand même, monsieur, ce que vous dites là. C'est votre job de casser des tronches? Monsieur, conversation privée avec un de mes collègues. Vous êtes en fonction, donc rien n'est privé. Je crois pas sur la manière dont vous vous exprimez. Mais moi je suis pas à force de l'ordre. Et alors? Je représente pas l'État. C'est un risque, mais c'est ce risque qu'il faut prendre. Si on prend pas de risque, on reste à notre place. Et moi je veux pas rester à ma place. C'est révoltant et ça m'encourage à continuer. Là, c'est la première étape. Demain, il faudra aller plus loin. Le pognon qu'on demande et que les gens demandent, il est dans les banques. Donc il faut prendre les banques. Milliers de manifestants qui vont vers la mairie. Ça fait 25 ans que je suis journaliste, j'ai jamais vu autant de violence envers notre métier. Il a volontairement essayé de briser mon appareil. On va se faire encercler, si on se fait encercler, on va se faire défoncer, comme tous les samedis. La police nous traque. Il y a un problème, l'État. Qu'est-ce que t'as fait à tes enfants, mon Dieu? En fait, je suis là à cause des violences. Les violences policières? Oui! Eh, mais putain! C'est mon rapport à la violence qui a changé. Il y a autant de violence, sauf que maintenant, je la cautionne. Ils ont plus rien, les gens, donc quand t'as plus rien à perdre! Ça n'a aucun sens et c'est complètement illégal de charger sans sommation. Il y a des vieux, des gamins, des jeunes, des chômeurs, des employés, des amoureux, des pas amoureux, il y a des gens quoi. Moi je suis peut-être pas adulte, mais j'ai quand même des raisons d'être ici et on a beau faire croire qu'on est des casseurs ou qu'on n'a pas de revendications, si on est tous en jaune dans la rue, c'est bien pour une raison. Et toi-même tu le dis dans tes vidéos et franchement c'est super.